Nous corrigeons l'assessment des vecteurs. Question N. In the diagram OABC is a pyramid, alors ça c'est une pyramide, in which OA is 2 units, O pouvin A is 2 units, nous marquons ici les 2 units. Next, OB is 4 units, O poil B, ça les 4 units. And OC is 2 units. O poil C les 2 units. Ça vous calie 2 units. Next, the length OC is vertical, veut dire OC est vertical, and the base OAB, en bas, base là, est horizontal. Alors, tout même la ligne qui nous prend l'eau, sa face OAB là, est pour perpendiculaire avec la ligne OC, parce que OC est perpendiculaire avec sa surface OAB là, et OAB, sa surface est horizontale, OC est vertical, veut dire est pour perpendiculaire. Aussi les perpendiculaires avec sa surface horizontale qui est en bas là. Next angle AOB est 90 degrees. OAB, veut dire sa triangle qui est en bas là, de base là. L'indique qui angle OAB est 90 degrees, veut dire un right angle triangle. Unit vectors I, J, N, K are parallel to OA, OB et OC. OA ce unit vector I, OB ce unit vector J et OC ce unit vector K. The midpoints of AB and BC. Alors, AB ce midpoint, l'india li M, et BC ce midpoint li N. Express the vectors ON and CM in terms of I, J, and K. Nous répondons partie A. Nous avons besoin de vecteur ON. Alors, pour nous prendre depuis E, pour nous aller jusqu'à N. Alors, comment nous pouvons faire ça? D'abord, nous avons besoin de route N2 ben sides the length. Premier, nous avons besoin de route AB ce length. Nous avons besoin de AB ce length. En bas, il y a un right angle triangle, c'est un right angle triangle. Ok, ça veut dire O et B, parce qu'il y a un angle O et B, il y a 90 degrees. Ici, il y a 2 units, là, il y a 4 units, si nous servons Pythagoras théorème. Et B pour venir, positive square root de 4 sur square retire 2 sur square. Si nous évaluons 4 sur square retire 2 sur square, il fait 12. Alors, il y a un square root de 12, ça c'est AB. Alors, A pour B. Sa face ici là, sa side là plutôt, il faut square root 12 units. Next, nous capables aussi gagner BC ce length. Alors, comment nous gagnons BC ce length? Alors, nous connaissons qui aussi li en vertical line et OB li en la ligne de horizontal surface. Alors, OB avec aussi, je peux perpendiculaire. Alors, si nous dessinons triangle OBC, côté nous connaît aussi les 2 units, OB les 4 units, ça les perpendiculaire. Alors nous capable gagner BC pareil par Pythagoras théorème. BC pour une positive square root de 4 square plus 2 square. Alors 4 sur square plus 2 sur square, il fait 20. Alors il fait une square root de 20. Alors ici nous connaît BC sur length les pour square root 20 units. Next, nous répondons nos questions ici. Route ON, comment nous sortir E pour nous aller N? Alors, E, pour nous aller N, nous pouvons servir ben la ligne qui nous déjà a ben direction vectors, nous déjà a ben unit vectors. Alors, qui nous capable faire? Pour sortir E, pour nous aller N, nous capable prendre OB plus BN. Alors, ici, nous pouvons venir OB plus BN. Alors, OB est bien facile. Pour nous sortir E, pour nous aller B, ce length est 4 units, ce direction est J. Alors, il y a 4J, ici il y a 4J, plus, aster BN. Comment nous sortons B pour N? Alors, si nous focus juste sur ce vecteur BN là, alors BN nous connaît le half of BC, parce que N limit point of BC, il y a half de BC. Next, ici il y a 4J, plus, half, à ça comment nous connaît le vecteur BC? Alors, le vecteur BC nous connaît ce length, mais nous pas comme ce unit vector ou ce direction. Alors nous pouvons passer par un autre chemin pour sortir B pour C. Nous pouvons dire que BC est BE plus OC. Alors ici nous pouvons BE plus OC. Alors nous continuons ici devine 4J plus half. Next. À ce B pour E, nous pouvons trouver ce length les 4 units. Ce direction est négative J. Alors nous pouvons négative 4J.
plus au poil si cela inflige 2 units sur direction de k, alors il devient 2k. Et c'est devenu 2k. Next, nous simplifier. Si nous simplifier, au n pour 4j. Et si pour minus 2j. Après plus k. Alors si nous simplifier, il pour 2j. 2j. Plus k. Ok, si nous mettons dans la colonne forme, il pour 0, 2, n. Ça c'est on. Next, comment nous prenons cm master? Cm de partie A. Partie A toujours, nous prenons Cm. Alors nous gardons un coup si côté C ici, nous faisons un côté M. Alors nous capables de CE plus OE plus EM. Alors C pour M, nous pouvons CE plus OE plus, depuis E, nous avons le côté M. À ce test C pour E, nous trouvons qui se l'inflit 2 units. Ce direction est opposé avec K, il est pour négatif K. Alors 2 fois négatif K fait négatif 2K. Plus à ce test E pour A. Ce length fait 2 units, ce direction li i, li pouvin plus 2i, plus aste e poil m. M, rappel l'étudia qui li midpoint of AB, li pouvin half of AB, li pouvin négative 2k plus 2i, next plus half, aste e poil b. E poil b, nous par contre ce direction, li pen en direction fixe, al nous passe par chemin EE plus OB. Ici, nous pouvons EE plus OB. Nous simplifions les négatifs 2K plus 2I plus half. À ce E poil E. Nous avons sorti E poil E, l'enflit 2, direction négative I, il est négatif 2I. Plus E poil B. E poil B, l'enflit 4, direction J, il est plus 4J. Nous simplifions les négatifs 2K. Plus 2i, et si nous expandons vers négatif i plus 2j. Nous continuons de simplifier, 2i retire i fait i, après plus 2j, après retire 2k. Alors ça c'est réponse cm, si nous mettons dans la colonne forme, nous avons n, 2, négatif 2. Partie B, calculate the angle between the directions of on and cm. Alors, nous répondons partie B, partie A, nous finirons vecteur ON. Vecteur ON, nous gagnons 0, 2, N. Et next, vecteur CM, li N, 2, négatif 2. Alors, nous pourrons angle between these two vectors. Cos de angle là, nous mettons theta, égale, nous pourrons prendre ON dot CM, divise par magnitude of ON times magnitude of CM. Alors, nous remplacer les vins cos of theta is equal to. Alors, nous faisons dot product ça deux vecteurs là. Et pour venir 0 fois n plus 2 fois 2 plus n fois négatif 2 divise par magnitude. Alors, premier vecteur au n sur magnitude, il pour venir positive square root 2. 0 square plus 2 square plus n square fois deuxième vecteur sur magnitude, il pour venir n square plus 2 square plus négatif 2 sur square. Alors, cos de angle theta pour venir. Là où il pouvait 0 plus 4 retire 2, il fait 2. Divise par en bas, il 2 square plus n square fait 5, square root 5. Fois square root 2, n square plus 2 square plus négatif 2 sur square, il devient square root de 9. Alors, cos de theta égale à ça. Theta pouvait une cos inverse de 2 sur square root 5 fois square root 9, il devient 3. Alors, theta pouvait si nous évaluer cos inverse de 2 sur square root de 5 fois 3, réponse pour 72.7 degrés, correct to 1 decimal place. Partie C. Show that the length of the perpendicular from M to ON is 3 over 5 square root of 5. Alors, partie C. The length from M. Alors, nous pouvons dire que M côté T. Alors, ça c'est M. The length. From M to ON. Alors ça c'est ON. Nous allons dessiner separately ici. Ça c'est E. Poil N. Et nous avons point M. Ça c'est point M. Point M ici. Linja, show that the length of the perpendicular from M to ON. From M to ON, ça c'est length of perpendicular. Et quand il y a besoin, nous allons représenter par F. Alors, pour répondre à une question comme ça, nous avons besoin d'un M sur coordinates.
Alors, M sous coordinates, nous proposons rod OM. Alors, OM, nous rod OM first. Alors, O poil M, nous prenons OE plus EM. Alors, O poil A. O poil A, li, OE, ce length, nous se trouvait à la distance. O poil A, li, 2 units. Alors, nous prenons 2, la direction I, nous prenons 2I. Plus AM, ça nous trouvait, nous prenons half of AB. Alors, nous prenons 2I plus half, à ce vecteur AB. Nous trouvons, nous prenons OE plus OB. Nous sommes déjà finis, nous avons une information dans le bon écran, à cause de mauvais besoin de refaire. Plus half, à ce E poil E. Nous connaissons E poil O, nous prenons négatif 2I. Plus O poil B. Length of OB est 4, ce direction est J, nous prenons 4J. Nous simplifions, nous prenons 2I. Retire I plus 2J. Alors nous simplifions, nous prenons I plus 2J. Ça c'est OM. Alors ce coordinate, nous prenons N, 2, 0. Next, à ce à la ligne ON, là, nous avons besoin de vector equation. Vector equation of line ON, nous prenons A égale, nous prenons N point. Nous prenons O, O sur position vector, origin est 0, 0, 0, plus lambda fois direction vector of the line, ça c'est vector ON. Alors, vector ON, on a lié 0, 2, N. Alors, ici, vous prenez 0, 2, N. Ok, next, ça nous fait ce subtopic là, le dernier subtopic de ce chapitre là. Comment nous gagnons length, length of perpendicular from a point to a line? Nous avons un point là sur coordinates, nous avons la ligne là sur vector equation. Alors, nous travaillons. Comment nous faisons ça? Nous avons besoin de ça, point F là sur coordinates. Alors, point F sur coordinates, à cause d'un point, l'eau la ligne ON, il peut de sa format là, 0 plus lambda fois 0, il vient 0. Next. 0 plus lambda fois 2, il fait 2 lambda. Et dernier, 0 plus lambda fois n fait lambda. Ok, nous avons juste pour autre point F sur valeur lambda. Alors, next step qui nous pour faire, nous pour servir the fact that the two lines are perpendicular. Alors, nous connons ON sur direction vector, ça c'est ON sur direction vector, il est 0, 2, n. Next, nous pour besoin de FM. Ok, ça c'est ON. So direction vector. Next, nous pouvons besoin de FM. Alors, FM qui peut venir? Nous avons vecteur FM. FM peut venir OM minus OF. Ici, OM, nous avons N2, 0. Nous pouvons retirer OF, les 0, 2 pi, 2 lambda et lambda. N retire 0 fait N, 2 retire 2 lambda. Et ici, 0 retire lambda fait négatif, lambda. Alors, vecteur FM peut venir N, 2 retire 2 lambda. Avec négative lambda. Next, nous connaissons que ça deux vecteurs à ce perpendiculaire, dot product en dot pour 0. Alors ici, dot product, ça deux vecteurs à 0, 2, n. Si nous faisons dot product avec n, 2 retire lambda, 2 retire 2 lambda, avec négative lambda, dot product pour besoin 0. 0 fois n fait 0, plus 2 fois 2 retire 2 lambda, il pouvait 4 retire 4 lambda, et n fois négative lambda fait négative lambda égale 0. Ici, vous venez 4 retire 5 lambda égale 0. Valeur lambda, vous venez 4 sur 5. Next, pas oublier nos objectifs sur road length of perpendicular from M to ON, veut dire road length of FM. À ce vecteur FM, nous allons nous remplacer valeur lambda là-dedans. Alors, si nous remplaçons valeur lambda là-dedans, FM pour venir N. Next, si nous remplaçons lambda par 4 sur 5 et que nous évaluons 2 retire 2 fois 4 sur 5. Et vous faites 2 sur 5 ou 0.4. Ici, devine 0.4. Et next, en bas, les négatif lambda, négatif de 4 sur 5. Et vous faites négatif 0.8. OK, ça c'est vecteur FM. Et nous, nos objectifs, c'est root FM sur magnitude. Alors, FM sur magnitude devine positive square root de N sur square, plus 0.4 sur square, plus négatif 0.8 sur square. Alors, nous évaluons N square. Plus 0.4 square, plus négatif 0.8 sur square, l'effet square root de 9 sur 5. À ce next, square root de 9 sur 5, nous pouvons faire réponse à une de ce format-là. Alors, comment nous pouvons faire ça? Nous portons à square root là-haut, il y a une square root 9 sur square root 5. Square root 9 fait 3 sur square root 5. Next, nous pouvons multiplier par dénominateur, nous rationalise dénominateur. Là, vous trouvez réponse à une. 3 root 5 sur root 5 fois root 5 fait 5. Et que nous finissons ce qu'il dit à nous, réponse vient 3 sur 5, root 5. Question 2,
two lines L and M have equations given. Et A est une valeur A ici, nous disons qu'il y a une constante. It is given that the lines intersect, find the value of A. Alors ici, on a deux la ligne, et là, la ligne L. So equation A est égale A 2, 3 plus lambda fois N négatif 2, 3. Ça, c'est la ligne L, première la ligne. Et une deuxième la ligne, ça, c'est la ligne M. So equation A est égale 2N2 plus mu fois 2 négatif nn, ça c'est la deuxième équation. Et qui nous dit que ça de la ligne intersecte, alors nous pouvons équer tous les deux. Et nous combinons ça deux vecteurs, ça devient a plus lambda, 2 retire 2 lambda, 3 plus 3 lambda. Nous équerons avec deuxième équation ici, ça veut dire nous combinons ça deux vecteurs, ça devient 2 plus 2 mu, n retire mu avec 2 plus mu. Alors nous finissons équer tous les deux. Alors nous pouvons équer tous les trois components. À cause de l'intersect, veut dire valeur lambda et mu de pour bien satisfaire tous les trois équations. Alors première équation, A plus lambda is equal to 2 plus 2 mu. La dernière a trois unknown. Nous quittons ça pending pour l'instant. Deuxième équation, on peut trouver qu'il y en a 2 retire 2 lambda égale n retire mu. Alors ça nous aura servi. Il y en a 2 unknown là-dedans. Alors les négatives 2 lambda plus mu égale n retire 2 fait négatif n. Ça, c'est une équation. Nous allons mettre l'équation B. Ça, là, c'est l'équation A. Next, nous prenons l'équation C. Nous équivons Z components. 3 plus 3 lambda égale 2 plus mu. Alors, ici, nous pouvons 3 lambda retire mu égale 2 retire 3 fait négatif N. OK, ça, c'est l'équation C. Alors, nous allons prendre l'équation B et l'équation C solve it simultaneously. Alors, la négative 2 lambda plus mu égale négative n, ça c'est équation B. Équation C, dit 3 lambda retire mu égale négative n. Nous avons passé par elimination method. Nous ajoutons tout ça dans le TM là. Négative 2 lambda plus 3 lambda, il fait lambda. Ici, dit éliminer négative n, retire n, ici fait négative 2. Ça c'est valeur lambda. Nous pouvons remplacer dans l'équation B pour nous gagner valeur mu. Négative 2 lambda plus mu égale négative n. Nous pouvons remplacer lambda par négatif 2 plus mu égale négatif n. Négatif 2 fois négatif 2 fait positif 4. Ça égale négatif n. Mu pour venir négatif n retire 4 qui vient négatif 5. À ça, ça va le lambda avec mu là pour satisfaire l'équation A. Nous pouvons remplacer là-dedans. A plus lambda nous pouvons remplacer par négatif 2 égale 2 plus 2 mu. Mu nous pouvons remplacer par négatif 5. Alors, il vient A retire 2 égale. Ici, négatif 10 plus 2 fait négatif 8. Valeur A pour venir, négatif 8 plus 2. Nous gagnons valeur A, ici c'est négatif 6. Ça c'est réponse pour question 2. Question 3. Relative to an origin O, the position vectors of point A, B, C and D are given. Show that AB is perpendicular to BC. AB avec BC est perpendicular. Avant de parler de ça, deux vecteurs là. Pour mes parties, nous parlons de vecteur AB. Vecteur AB pour venir OB minus OA. Ici, OB dit 2, négatif 3, 5. Nous retirons OE, OE dit négatif N, 3, négatif 4. Alors, nous subtract 2 retire négatif N fait 3. Négatif 3 retire 3 fait négatif 6. Et 5 retire négatif 4 fait 9. Ça, c'est vecteur AB. Next, nous pourrons vecteur BC. Vecteur BC, c'est OC minus OB. OC dit 4, négatif 2, 5. Nous retirons OB. OB dit 2, négatif 3, 5. Nous subtract 4 retire 2 fait 2. Négatif 2 retire négatif 3 fait négatif 2 plus 3 fait n. Et 5 retire 5 fait 0. Next, nous pouvons montrer que c'est perpendiculaire AB avec BC. Pour nous montrer ça, dot product pour besoin égale 0, ça deux vecteurs AB. Dot BC, nous pouvons besoin checker est-ce que ça vient 0. Si ça vient 0, là, nous finissons confirmer que c'est perpendiculaire. Alors, nous prenons deux vecteurs, 3 négatif 6, 9. Nous faisons dot product avec BC de 2n, 0. Alors, si nous faisons dot product, il vient 3 fois 2, retire 6 fois n, plus 9 fois 0. 3 fois 2 fait 6, retire 6 fois n fait 6, plus 9 fois 0 fait 0. Vous trouvez qui? Dot product vient 0, hence, c'est perpendiculaire. À cause dot product des autres vecteurs, il vient 0. Next, deuxième partie. India, show that B, A, B, C, D is a trapezium. Alors, un trapezium, il y a un quadrilatéral qui a one pair of opposite sides qui est parallèle. Et quand nous avons un diagramme, il peut paraître qu'il y a AB avec DC qui est parallèle. Si nous avons un récit, je suis sûr que ça
pair of opposite sides li parallèle li fini vin trapezium. Alors pour show trapezium, minimum information qui te besoin show c'est montrer qui one pair of opposite sides li parallèle. OK, li suffisant pour montrer qui il y a trapezium. Alors le nombre de vecteurs d'ici alors vecteur d'ici li vin aussi minus OD ici aussi. Il donne les 4 négatif 2 5 retire OD les 2 2 négatif n. Alors 4 retire 2 fait 2, négatif 2 retire 2 fait négatif 4 et 5 retire négatif n fait 6. Ça c'est vecteur d'ici. Et vecteur AB ça ne sera pas vecteur AB dit 3 négatif 6 9. Alors nous pouvons montrer que ça deux vecteurs sont parallèles. Et comment nous choquer deux vecteurs sont parallèles n là, les besoins n scalar multiple de l'autre là. Si nous réussissons ça, nous réussissons par les cartes qui satisfait cette équation là. Là ça deux vecteurs à trouver parallèles. Alors d'ici, les 2 négatif 4 6 égale k times vecteur AB les 3 négatif 6 9. Alors les 2 négatif 4 6 égale 3k négatif 6k et 9k. Alors si nous réussissons à valer k pareil avec sa 3 comme potence là, là nous finit prouve que nous réussissons à valer k. Alors 3k égale 2 première composante, k pour 2 sur 3. Et nous check avec deuxième composante, négatif 6k égale négatif 4. Si nous faisons k vin subject, il peut toujours venir 2 sur 3. Et pour troisième, on a 9k égale 6. Si nous faisons k vin subject, il peut venir 2 sur 3 même. Alors ça, relationship là, est correct. 2 vecteur d'ici égale 2 sur 3 de AB. Alors nous finissons que DC is parallèle to AB. Alors, si c'est parallèle, hence, ABCD is a trapezium. Troisième partie, find the area of ABCD giving your answer correct to two decimal places. Alors, ça, quadrilatéral là, nous pouvons en rôde sur area et nous prouver qu'il y a un trapezium. Alors, troisième partie, comment nous gagnons area of a trapezium? Area of trapezium. So formula the half sum of parallel sides. Nous pouvons prendre AB sur length plus nous pouvons prendre DC sur length times après nous connaissons faire fois perpendicular height. Nous pouvons faire aller avec perpendicular height c'est BC. Nous pouvons prendre BC sur length. Alors tout ça man vecteur ça nous finit travail nous finit gagner nous connaissons vecteur AB les 3 négatif 6 9 nous pouvons prendre sur length. Alors, length of vector AB, les pouvons positive square root de 3 square plus négatif 6 square plus 9 square. Alors, nous évaluons 3 square plus négatif 6 square plus 9 square, les fait square root de 126. Next, nous pouvons vecteur DC, ça aussi nous rôder ça vecteur DC, divine 2 négatif 4 6. Alors, length of vector DC, nous pouvons. Length of vector d'ici devient positive square root de 2 sur square plus négatif 4 sur square plus 6 sur square devient positive square root de 2 square plus négatif 4 sur square plus 6 sur square devient square root de 56. Et dernier, nous proposons BC. Vecteur BC de la première partie d'une sur autre li 2n0. Alors length of BC devient positive square root de 2 square plus n square plus 0 square. Alors 2 sur square plus n sur square plus 0 sur square devient 5. Alors ici devient square root 5. Nous essayons pour remplacer half fois. Alors vecteur AB sur length, nous trouvons devient square root de 126 plus vecteur DC sur length, le square root de 56 fois perpendicular height, nous trouvons devient square root de 5. Next, nous pouvons évaluer half fois square root de 126 plus square root de 56 après fois square root de 5. Alors nous évaluer, nous avons une réponse de 2 decimal places. Alors de 2 decimal places, réponse pour une 20.92 autant units square.